choses. C'est énorme en Belgique. Nous combattons ailleurs à l'Italie en la matière. Il faut une levée réelle du secret bancaire, pas seulement des paroles, des actes en la matière. Il faut aussi multiplier par trois le nombre de fonctionnaires qui travaillent à l'inspection spéciale des impôts et qui luttent contre la grande criminalité de la fraude fiscale. Ça, camarade, ça pourrait aussi rapporter 4 milliards. Eh bien voilà, messieurs les négociateurs, vous aurez vos 11 milliards. Met een bankentax, met een Europees
derde, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat betekent dat men eindelijk in het werk mag van rechtvaardige fiscaliteit. Dat kan niet, dat mag niet, heet het dan. De belastingsdruk is al veel te hoog in ons land. Inderdaad, maar voor wie is de belastingsdruk te hoog vandaag? Alleen voor wie moet zweten om zijn loon te verdienen? Voor wie correct zijn bijdrage betaalt? Voor wie correct zijn belastingen betaalt? Daarvoor is de belastingsdruk te hoog. Maar ik mag ons niet zeggen dat hij te hoog is voor mensen die slaafontrijd worden. Voor mensen met een groot vermogen. Voor wie goed verdient aan dividenden, aan meerwaarden. Wie zijn inkomen haalt uit interesten, uit huur en noem maar op. Als werknemers vandaag te veel belastingen betalen, dan is dat omdat anderen te weinig betalen. Werknemers die hebben opgebouwd, maar ze willen er absoluut niet voor betalen. Van die boer geen eier. Chers amis et camarades, nous n'acceptons pas que notre sécurité sociale soit vidée de sa substance. Pour que ceux qui ont toujours refusé de participer à l'effort commun, soit une fois de plus hors d'atteinte. Ils ont les reins solides. Quoi de plus normal donc que de les mettre en premier? Mais apparemment, ce courage fait défaut aux négociateurs. Et donc, ils s'en prennent aux plus faibles. Ils ont déjà ramené à 60% la liaison au bien-être pour laquelle nous avons combattu pendant des années. Les jeunes qui sont durement touchés par la crise auront aussi des coupes sombres dans leur allocation d'attente. Les chômeurs seront jetés dans la pauvreté. Les travailleurs âgés qui perdront leur emploi vont perdre aussi le statut de la prévention, leur allocation à 60% et même leur complément d'ancienneté. Et tous ces chômeurs et tous ces pensionnés prépensionnés passeront une deuxième fois lorsqu'ils prendront quelques années plus tard leur pension parce qu'ils auront droit à un montant moins élevé pour les années de chômage de l'autre.